Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo les amis. Comme d'habitude, je t'invite pourquoi pas laisser ton plus beau like sur cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire, voilà, tout simplement pour me donner votre avis sur cette vidéo. Si vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça encourage et ça aide énormément. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir lire vos commentaires. Et n'hésitez pas pourquoi pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Dans 10 abonnés, on est déjà aux 400 et on est en route vers les 45 000, mais surtout les gars, vers les 50 000. Donc si vous aimez les vidéos news sur Pokémon, les vidéos d'infos, d'événements, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre, les gars. On parle de tous les jeux. Et là, actuellement, il n'y a pas trop de nouveautés. On va pas se mentir sur Pokémon aujourd'hui à vous annoncer. Il n'y a pas de choses intéressantes à se mettre sous la dent. Par contre, les amis, il y a quelque chose de plutôt intéressant. On va parler dans cette vidéo des Pokémon vedettes, les amis. Vous le savez, sur Pokémon Go, tous les semaines, tu as un nouveau Pokémon qui est disponible de 18h à 19h pendant une journée. Il apparaît sur toute la map, il n'y a que lui qui apparaît, vous avez plus de chances de l'obtenir en shiny, les amis. Et ben, du coup, pour ceux qui l'ont fait ou qui l'ont peut-être raté, il y avait Moufouette, premier Pokémon vedette qui était disponible. Il était disponible hier de 18h à 19h. Moufouette, très joli en shiny, franchement. J'aime bien. Moi, j'aime bien la petite couleur shiny, elle est plutôt sympathique. On va parler de Sapero, le Pokémon vedette qui sera disponible le 12 avril 2022, de 18h à 19h. Sapero, il a une petite couleur aussi. Je l'ai en shiny sur Pokémon Go, Sapero. Et franchement, il est plutôt sympathique. Par contre, pour l'instant, Moufouette, Sapero, c'est pas des Pokémon incroyables, malheureusement. Misterbe, troisième Pokémon vedette. Alors, c'est encore pire que les deux premiers, je trouve. Misterbe, il sera disponible du 19 avril 2022, des 18h à 19h. Il n'est pas incroyable, il n'est pas joli. Et bon, après, c'est mon avis. Bref, s'il y en a qui veulent compléter leur collection, peut-être qu'ils ne l'ont pas en shiny, ils seront plutôt très contents. Et après, dernier Pokémon vedette, les amis, qu'on aura, on aura Cerifleur, les gars. Il sera disponible le 26 avril 2022, de 18h à 19h, les gars. Sous sa forme, du coup, ouverte, d'ailleurs, les gars. Alors en shiny, je sais pas si vous voyez la différence du normal ou du shiny, les gars. Mais clairement, il n'y a pas beaucoup de différence, tu vois. En tout cas, bref, j'espère que cette mini-vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de savoir un peu quel Pokémon il y a du coup ce mois-ci sur Pokémon Go. Et on se retrouve dès demain, dès qu'il y aura des nouveautés, des informations, des news à vous partager, les gars. Prenez soin de vous, bonne chasse et à plus. Bye, ciao.